Le nouveau record de Kylian Mbappé, la rumeur Cristiano Ronaldo à l'OM, Casemiro qui quitte le Real Madrid ou encore le Barça qui n'a toujours pas inscrit Jules Koundé. On en parle tout de suite dans notre journal du lundi 22 août. Le PSG a offert une nouvelle démonstration ce dimanche soir en écrasant Lille 7-1. Un spectacle offensif incroyable et une complicité retrouvée entre Neymar, Messi et Mbappé. Et tout a commencé très vite entre le trio fantastique. Après seulement 8 secondes de jeu, Paris a trouvé la faille sur une combinaison travaillée à l'entraînement. Dès le coup d'envoi, Neymar a échangé avec Verratti avant de servir Messi, toujours dans le rond central. L'Argentin a alors envoyé une longue transversale pour un Mbappé parti à pleine vitesse en profondeur. La défense lilloise prise à défaut, le natif de Bondy a pu tranquillement lober le gardien adverse et faire trembler les filets après donc 8 petites secondes. Un record dans l'histoire du PSG devant Paul Le Guen et même dans l'histoire du championnat de France. Kylian Mbappé a égalé la marque de Michel Rio avec Caen en 1992 qui avait également marqué après 8 secondes. Un nouveau record dans la collection du Français qui les accumule depuis le début de sa carrière. La saison dernière, il est par exemple devenu le premier joueur à réaliser le doublé meilleur buteur, meilleur passeur de Ligue 1. Il devrait d'ailleurs bientôt devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec désormais plus que 25 unités de retard sur Cavani. En revanche, record plus difficile à aller chercher pour Mbappé, celui du plus grand nombre de buts inscrits sur une seule saison de Ligue 1. Il est l'œuvre de l'ancien Marseillais Josip Skoblar en 1971. Alors s'il veut continuer à marquer l'histoire, Kylian Mbappé sait ce qu'il lui reste à faire. La rumeur avait enflammé les réseaux sociaux il y a quelques jours, mais Cristiano Ronaldo ne viendra pas à l'OM. La direction du club olympien a confirmé auprès d'RMC Sport que le Portugais ne faisait pas partie des plans pour la fin du mercato estival. Pablo Longoria se concentre sur d'autres pistes et d'autres secteurs à renforcer. CR7 semble de toute façon inaccessible financièrement pour l'OM et un départ de Manchester United est désormais de moins en moins probable. À 10 jours de la fin du mercato, aucun club ne semble en mesure de sortir Ronaldo de sa galère à Manchester. Après Chelsea et le Bayern Munich, c'est le Borussia Dortmund qui a fermé la porte ce week-end à une arrivée de CR7. L'Atlético de Madrid ne semble plus intéressé non plus, alors qu'Antoine Griezmann devrait rester chez les Colchoneros. Lanterne rouge de Première Ligue, United reçoit Liverpool dans un énorme choc ce lundi soir. Un match déjà décisif pour l'avenir d'Eric Ten Hag qui ne devrait pas se passer de Cristiano Ronaldo cette fois-ci après 2 défaites lors des 2 premières journées de championnat. C'est l'un des plus gros transferts de l'été et l'un des plus surprenants aussi. Casemiro va quitter le Real Madrid et rejoindre Manchester United dans les prochaines heures où il retrouvera justement Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane. Un accord a été annoncé vendredi soir. Le Brésilien doit désormais réussir sa visite médicale, mais il a déjà fait ses adieux au Real Madrid. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, il explique avoir vécu l'histoire la plus merveilleuse qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le montant global du transfert est estimé à 70 millions d'euros, bonus compris, et Casemiro s'est vu offrir un énorme salaire en Angleterre, plus élevé que celui qu'il touchait au Real. C'est donc une page qui se tourne à la Casablanca avec le départ de ce pilier des succès en Ligue des Champions. Il en compte 5 au total aux côtés de Modric et Toni Kroos. Pour le remplacer, le Real Madrid n'attend aucune recrue mais va faire confiance à Aurélien Tchouaméni, recruté cet été à l'AS Monaco et auteur d'une prestation XXL lors de la victoire face au Celta Vigo samedi soir. Le FC Barcelone a remporté son premier match de la saison hier soir avec une large victoire face à la Real Sociedad et un premier doublé pour Robert Lewandowski sous ses nouvelles couleurs. Une rencontre à laquelle n'a pas participé Jules Koundé. Le défenseur français n'a toujours pas pu être inscrit auprès de la Liga. C'est déjà le deuxième match que rate celui qui a été recruté pour près de 50 millions d'euros à Séville cet été. Pour l'enregistrer, le Barça doit réduire sa masse salariale et donc vendre plusieurs joueurs. D'ici le 1er septembre, le club catalan espère se séparer de Memphis Depay, Martin Braithwaite, Pierre-Emerick Aubameyang, Serginho Dest ou encore Samuel Umtiti. Au total, ce sont 20 millions d'euros qui doivent être trouvés sous peine de voir Koundé repartir librement. En effet, une clause dans son contrat lui permet de résilier s'il n'est pas enregistré avant le 31 août. Le temps presse pour le Barça.
Et voilà pour toutes les actualités foot de ce lundi 22 août. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.